Présentez-vous à nos lecteurs de guinéematin.com. Mon nom c'est Antoinette Simaro. Antoinette, aujourd'hui vous n'avez pas l'urgence de vos yeux. Expliquez-nous les circonstances dans lesquelles cela vous est arrivé. Moi, je suis mariée. Je suis une mère de 3 enfants. C'était un dimanche soir. J'étais dans ma chambre. Ma soeur, elle était assise au salon. Donc, la copine de mon mari, elle est venue demander à ma soeur. Elle s'appelle Christine Poulet. Lorsqu'elle a demandé à ma soeur, qu'elle pouvait être grande soeur, elle aussi l'a répondu que ah, ma soeur, elle est couchée. Donc, elle a dit à la petite, tu vas l'appeler. Donc, la petite, elle est venue. Elle m'a appelé, j'ai dit, ah ouais, je viens. Lorsque j'ai dit à la petite, je viens, la petite sautait pour partir au salon. Elle aussi, elle a dépassé ma soeur. Elle est rentrée dans ma chambre. Lorsqu'elle était rentrée, elle était masquée. Ouais. Maintenant, je voulais me lever seulement. Elle a jeté l'acide là, sur mon visage. Maintenant, le reste de l'acide, elle a versé sur le dos de mon bébé, un bébé de 8 mois. Moi aussi, comme elle était arrêtée devant moi, moi aussi, je l'ai attrapée. Je l'ai attrapée, elle avait le couteau. Moi aussi, j'ai attrapé le couteau. Je l'ai prévue. On est sorti au dehors. Lorsqu'on est sorti, elle a fui. Le matin maintenant, les gens qui étaient là-bas, ils ont attrapé au lavage à Sibylle. Moi, ça trouvait maintenant que Sibylle, c'est ce qu'on a vu sur mon traitement. Parce que je suis venu ici, les parents m'ont envoyé en Tunisie. À mon retour, je suis parti à la justice, je me suis présenté. Avec mon avocat. Lorsque on est parti maintenant, le procureur a appelé mon avocat que Christine Poulet, elle a été libérée. Mais le ministre Alain Moriba Conté, elle l'a libérée. Donc c'était comme ça. Donc on a fait le jugement, Christine, elle n'était pas prison. Donc ils ont dit que c'est le ministre Moriba qui a libéré Christine. L'auteur. Jusqu'à présent, elle reste introuvable. C'est pas là où aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez aux personnes de bonne volonté et aux autorités du pays? Je leur demande de venir à mon aide. Je demande de venir à mon aide. Ils n'ont qu'à me dire, même si ils sont en extérieur, ils n'ont qu'à me dire. S'ils ne voient comme ça, ils n'ont qu'à me dire. Parce que certains me souffrent. Ça fait maintenant 10 mois comme ça, je suis assis. Je ne vois pas rien, je ne fais rien. Sauf que c'est les gens qui m'aident avec les filles. Donc je les demande de venir à mon aide. Donc je demande à notre président Mamadi Doumbouya de venir à mon aide, de m'aider pour mon traitement. Parce que là où je suis parti en Tunisie, les docteurs m'ont dit que ah, on ne peut pas traiter sous la zizo pour en essayer. Donc ils n'ont qu'à m'aider. Le procureur ne vous a pas dit le motif pourquoi il a libéré l'auteur. Le jugement a été fait à son absence et elle a été condamnée. Elle a été condamnée à 30 ans.